Bonsoir. Voilà. Comment ça va? C'est dingue, t'as quel âge, toi? Quel âge vous me donnez? Non, mais dis-moi. 17 ans. Non. Ne sais pas de faire de vanne. C'est quoi ta vanne? C'est quoi ton âge? Il n'y a pas de vanne. Dis-moi, c'est quoi ton âge? J'ai la vingtaine. Non, mais dis-nous ton âge, allez. T'as 25, je sais, t'as fait tes 25 ans. À peu près, ouais. 26 ans, t'as. À peu près. T'as quel âge? Allez, barre-toi. Barre-toi. 25 ans. 25 ans, déjà, un gars. Moins que Mathieu Delorme. Non, non, alors, parce que je pense qu'il est tout émoussié parce qu'il a pris. Regardez, alors, venez, mettez-vous à côté. Regardez, mettez-vous. Non, mais allez vous mettre à côté. Allez-vous mettre à côté d'April. Allez, et vous venez de là-bas tous les deux. Allez, vous venez de là-bas tous les deux. Main dans la main, vous venez de là-bas tous les deux. Allez-y, comme un singe. Non, mais prenez-vous la main et venez. Et enlevez-moi la musique. Prenez-vous la main et venez vers moi. Prenez-vous la main. Non, s'il vous plaît, comme ça. Allez-y, venez. Normal. Allez-y, normal, marchez normal. S'il vous plaît. Non. Mets-toi normal, arrête d'être lourd. Mets-toi là-bas. Mettez-vous normal. Ne dites rien, je veux les voir, je veux kiffer. Voilà. Je veux voir s'ils vont bien ensemble. Regardez, mais c'est parti. Allez, c'est parti. Marche normalement. Prenez-vous la main. Allez. Marche normalement, il est lourd. Allez. Mais c'est pas appris avec son petit frère. Merci April. Non mais vraiment. Alors elle est venue chercher à l'école ta grande sœur. Elle a des talons de 25 cm. Pas du tout. Elle a un talon de 25 cm. Ah non, ça c'est pas. C'est Rocco Siffredi. Allez, c'est parti. C'est vrai qu'après le Benayoum, la première fois que je l'ai vu, mon cœur a fait boum. Bah allez, mets-toi. Oh là là. Non mais. Excuse-moi, toi, je te le dis, ta dose doit passer dans le 6 à 7. Hein. Ça te pend au nez. Je te le dis, ça te pend au nez. Vous allez voir, sur vous, Cyril, vous allez vous calmer. Ça te pend au nez. Cyril, vous êtes un peu le chef d'orchestre de cette chaîne. Ne dis pas de bêtises. Si. Tu vas le faire quand? Tu vas le faire quand? Je le fais maintenant. Toi qui es sa grande soeur, tu peux lui dire s'il te plaît. Tu peux lui parler. Tu veux que je lui dise quoi? Bah dis-lui qu'il se manne le cul. Ouais. Allez, bouge-toi là, Sacha, s'il te plaît. Allez, comment? Bouge-toi. Non, mais attention. Donc si vous êtes un peu le chef d'orchestre de cette chaîne, vous savez qu'il y a une télé-réalité qui arrive sur la grille. Juste un peu, s'il te plaît. Pourquoi? Alors c'est quoi? C'est pas bon. Mais écoutez-moi. Vous êtes le chef d'orchestre de cette chaîne. Il y a une télé-réalité qui arrive. Vous savez comment s'appelle cette télé-réalité? Les Tunisiens à Boulby. Toi, tout ça pour ça? Regarde. C'est nul. Après les Marseillais à Dubaï, les Marseillais à Mykonos et les Marseillais à Marbella, voici les Tunisiens à Boulby. Miracle. Non. La joie de vivre et la fête animeront la villa. Mais tout risque de ne pas se passer comme prévu à Boulby. Vous prenez pour qui? Non, parce que vous avez il y a 20 ans animé une émission qui a marché 300 ans. J'ai vu une rediffusion d'un truc que t'as fait sur Disney, sur TFX. Au moins j'ai fait quelque chose, t'as jamais produit une émission. Le forcené Castaldi va-t-il mettre à mal l'ambiance au sein du groupe? Oh, ça me fait chier, toi aussi. Le building va descendre deux secondes, là, faire du bruit tout le temps avec sa bouche, là. Oh, qui tu l'as dit à qui, toi? Tu ne manques pas de respect, ni à moi, ni à mon père, ni à sa mère. T'as compris? Entre Charo et Tarba, tout sera prétexte à la bagarre. Il a été trahi. Hier soir, je suis allé au Parc des Princes avec Raymond. J'étais avec une amie, il a encore essayé de pécho ma meuf. C'est une horreur. À chaque fois que je le vois, il veut se goinfrer dans ma gamelle. Non, mais c'est vrai. Au cours de cette saison incroyable, chaque candidat explorera une face cachée de la Lune. Une question à vous poser, est-ce que vous êtes devenu hétéro? Question d'une auditrice. Tu bandes? J'aime beaucoup Et Guillaume. Vous feriez quoi avec lui dans la voiture? Une centauride à l'arrière de la voiture, pourquoi pas? Ah oui, d'accord. Oui. Traversé une période difficile, donc il m'a demandé de venir chez lui pour le réconforter en tant que pote. Et à un moment, il s'est mis à trembler. Je lui ai pris la main et je lui ai dit, mais Jordan, qu'est-ce que je peux faire pour que t'ailles mieux? Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, bouffe-moi le. Bon, pour résumer, ça va ken comme des porcs. Laissez partir les porcs. Ah bah oui, évidemment. Ouais.
tante Géraldine. Je soulève Kelly et je bouscule de leur main. Les Tunisiens à Boulbi, c'est seulement sur C8. Sachez-le, c'est que de l'amitié. Voilà, je vous dis que de l'amitié et de l'amour. Voilà, vous savez comme je vous dis. Vous produisez ça ? Hâte de voir ça. Vous produisez ? Hâte de voir ça, j'aime bien. Ouais, c'est très drôle, vraiment, t'es super. Tu peux te pousser un peu, là. Non, mais j'aime bien cette proximité. Non, mais tu prends mon espace vital. Non, mais... Vous sentez bon, vous sentez le cuir qui vaut cher. Ouais, mais tu vois... Tu vas bientôt sentir le cul qui vaut cher. Cyril, quel est le chroniqueur autour de cette table qui, pour vous, a le plus la dalle? Le plus la dalle, ben c'est Guillaume. Ben, eh ben non, pas du tout. C'est Mathieu Delormeau. Hein, Mathieu Delormeau, c'est un affamé. Il n'a aucun critère de sélection. Mathieu Delormeau, c'est un peu la porte ouverte à toutes les braguettes. Toutes les quoi? Braguettes. C'est que chaque gagne une catégorie. Ah, je savais pas, allez-y. Quoi, ce serait Babyface, ils appellent ça. Ah, Babyface. Ah, ben oui, c'est, tu vois, c'est une petite chose que tu vas secouer, quoi. Tu vois. Libéré, bien sûr. Mais sans déconner. Bien sûr. C'est non, mais est-ce que c'est pas le moment, Guitou? Je mets de l'anticerne. Ah ouais. Les potes se moquent de moi. Je suis là à mettre de l'anticerne. Ouais. Je m'épile sous les bras. Je passe à tondeuse sous les bras. Et tu loues un appart dans le marais, ouais, ou pas? Mathieu, celui-là, tu lui poses les trois questions. Gilles, est-ce que tu regardes parfois aussi des films avec des jolis garçons? Est-ce que tu aimes bien les films de gladiateurs? Est-ce que tu arrives de dire ce garçon est très bon? Ouais. Non, mais j'ai pas pensé à vous, mais j'ai parfois pensé à Guillaume. Ah ouais, à Guillaume. Ah, voilà. Ah, oui. Et en quel terme? Tu peux développer un petit peu, les gens t'écoutent? Érotico-cérébral, parce que moi, je suis cérébral. Ah ouais. Tu as eu le zizi dur? Tu sais, je vais te dire, on a parlé de toi avec Mathieu. Oui, c'est vrai. Et Mathieu a eu cette phrase formidable. Il a dit, quand on a eu quatre femmes, c'est qu'on cherche un homme. Ben, bien sûr, Mathieu. Ah, pas du tout, mais ça n'a rien à voir. Mon chou, écoute, tu viens de te faire une couleur, en plus, qui est ratée. Franchement, il demande à son meilleur ami de jouer avec sa guitare pour savoir s'il est gay. Il fait une couleur. Il rentre dans les toilettes de Raymond pour voir son sexe. Mais pas du tout. Get pride. Tu vois, si c'était le cas. Lève-toi et dis, si c'était je suis gay. C'est un cri. Je suis gay. C'est vrai. Je suis gay. Je suis gay. C'est énorme. C'est énorme. Bravo, bravo. Je te jure, c'est moi qui vais payer ta barbe, je te jure. C'est vrai ? April, dis-moi. Toi, je peux, excuse-moi, je peux parler à April sans que tu viennes mettre ton grain de couscous ? Qu'est-ce que vous voulez dire, April ? Non, mais c'est que j'ai une famille. Non, mais je peux parler à April sans que tu viennes mettre ton grain de couscous. Ouais. Je ok. Vous serez. April, est-ce que Sacha... On n'a pas le droit. Non, non, non. Allez-y, quoi? Allez-y. C'est pas la peine de poser la question. Mais oui, c'est non. Je pense qu'on est-ce que ça, et Sacha et vous, il y a déjà eu quelque chose? Hein? Vous pensez quoi, honnêtement? Bah non. La même chose que... Je pense non. Que... oui, peut-être il y a eu un... Ah non. Bonjour. Surtout un au revoir. Non, mais est-ce qu'un jour... quand il a dormi chez vous. Il a dormi chez elle? Oui, il a dormi chez elle. Elle lui a prêté le lit de son petit frère, son lit bébé. Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Après, est-ce qu'il y a eu quelque chose entre Sacha et vous? Parce que c'est un très beau garçon. Oui. Ah, il envoie des textos, fais voir ça. Non, je veux... Non, non, pas du tout. Je suis en train d'accumuler les preuves. T'envoies des textos. Non, t'envoies des textos. Non, pas du tout. Je veux juste vous montrer les preuves. Prends le téléphone d'April, s'il te plaît. Non. Est-ce qu'il y a eu un texto de Sacha à base? Pas du tout. Non. Pas du tout. Mais c'est quoi je peux vous montrer. Non, j'attends sa réponse. Après, j'attends sa réponse. Mais là, il a pris à l'envers. Je vois rien du tout. Laisse tomber. April, moi je crois en April, les données lui sont portables. Voilà. Eh bien, Cyril, vous avez raison. Il n'y a jamais rien eu entre Sacha et moi. C'est pas ce que dit Sacha. Hein. Ouais, pas ce que dit Sacha. Quoi? On est d'accord? Alors, Sacha raconte... J'aimerais qu'on crève la psy. Sacha raconte à qui veut l'entendre en coulisses qu'il a pécho April. Non. Ah non, je dis pas ça, je dis qu'April m'a dragué. Non, tu dis ça. Je vais même vous dire ce qu'il a fait. Il a demandé à un stagiaire d'aller acheter son parfum pour en mettre sur sa veste pour faire croire qu'il l'a pécho. C'est un dangereux mythomane. Ah. Alors, j'ai les preuves, Cyril. C'est grave. J'ai les preuves, je sors mes messages avec April. Non, mais laisse tomber, ils sont là.
Qu'est-ce que je lui ai dit? Eh ben Cyril, laisse tomber Milly quand même. Ouais, pas du c'est tout. C'est frigny entre nous, April, désolé, j'aurais lui envoyé un message. Mais frère, mais t'as des vannes, mais de 1972, non. Non, pas du tout. Allez, vas-y, allez, fais ton dernier magnéto. Mais putain, je suis sombre mythomane. Mais pas du tout, pas du tout. Non, mais en fait, vous n'aimez pas l'amour. Mais non plus, apparemment, elle n'aime pas l'amour, avec toi. Pas du tout, mais pas du tout. Allez, tu gênes tout le monde. Ouais, c'est vrai. Box dans ta catégorie. Je suis quoi? Je suis trop moche pour April, c'est ça? Oui. Après, il n'a simplement pas envie d'attraper un lumbago. C'est pas ça le problème. C'est quoi? C'est pas ça le problème, c'est que. C'est un problème de taille? Encore non, tu peux le régler. Non, mais non. Mentalement, t'es encore un peu un poupon. Ouais, elle, c'est déjà une jeune femme. C'est un problème femme, d'intelligence, voilà. En fait. Mais elle a 22 ans. Non, maturité. Non, elle a 22 ans, mais elle est très mature. De toute façon, c'est pas la question. Je suis prêt. Alors. T'es prêt à quoi? T'es prêt où? T'es prêt? Avec ce petit personnage. Ce petit barbu. Il est fou, lui. Ah bah, probable que d'abord il est pas gay. S'il l'était, ça serait pas avec un nain de jardin, je peux tout dire. Bah non, il prendrait un gladiateur. Ça serait pas avec un bouffon comme vous. Ouais, oh là oh, là, la répartie, oh là là. Ah, allez, c'est moi qui lui ai pris. Vas-y, allez. C'est moi, ce serait pas un de vos fils cachés. Tu sais ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, April? Non. Je lui dis, alors, je lui dis comme ça, je fais comme ça. Nous parlez. Je lui dis, Guillaume, elle me dit non. Je lui dis, Mathieu, elle me dit non. Castaldi, elle me dit non. Je lui dis, et Sacha? Elle me dit, elle base. Ah, elle base. Elle base. Elle base. Ah, merci. Bravo. Bravo. C'est moi, les vannes de 1970. Ouais, bah, oui. Allez, vas-y, vas-y. Cyril, vous savez, je suis un petit fouteur de c'est merde. Pas parce que t'habillais comme un G-Chip King qu'on va te... Pas du tout. Tu vas faire ta loi ici. Pas du tout. Chercher une belle allez, veste. Bon. Chercher une belle veste et cher, je suis allé dans votre placard. Allez, vas-y, Thomas. Cyril, je suis un petit fouteur de merde, vous savez. Ah ouais. Depuis plusieurs semaines. Contrairement à toi tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu de attendez, c'est l'animateur du Mad Mac qui a plongé énergie douce qui me parle, là. Présenté finalement faux, c'était le fils de Gilles Verdez. Là, parce qu'on est en retard. C'est, vous savez, je suis un petit fouteur de merde. Depuis plusieurs semaines, je prends quelques heures sur lesquelles vous me rémunérez d'ailleurs pour faire les petits canulars, les petites galéjades. Cette semaine, j'ai pris la voix de Nikos et j'ai envoyé sur WhatsApp, j'ai changé ma photo de profil et mon nom, des messages à des jeunes. Ah, voilà. Il comprend celui-ci. J'ai demandé à Nikos de rappeler parce que vous savez que Nikos n'est pas content. Parce que Mathieu Delormo arrive demain avec une émission People en face de lui. Cyril, du coup, on comprend rien du tout. Mais si, vous comprenez, Nikos est colère. Tu vas faire ta vanne parce que ça va pas prêt. Non, il n'y a aucune vanne. Vous allez voir, c'est parti. J'ai plié Myriam avec la voix de Nikos et pas que. T'as invité, t'as plié Vicky. Ah, d'accord. Oui, Eric. Bonjour. Comment ça va? C'est Nikos Aliagas au téléphone. Eh ben, écoutez, très heureux d'avoir. Je me permets de vous voyez où. Monsieur Nikos. Comment ça va, mon cher Pascal? Ah, la chanson secrète. Et bonjour, je suis Elisabeth. C'est Nikos Aliagas. Ça va? Oui, j'ai vu. J'ai reconnu la photo. Myriam, comment ça va? Dites-moi, je veux savoir si c'est vous qui vous occupiez de la nouvelle émission là, de Delormeau. Ah non, pas du tout. Sur les People. Non, pas du tout. Parce que je vous vois beaucoup avec Cyril. Oui, mais moi je suis plus sur TPLD, je vais pas faire TPLD People. Je voulais savoir si vous étiez chroniqueuse dedans. Ah pas du tout, non, et surtout je n'aurais aucune envie d'être chroniqueuse dans une émission People. Je crois que c'est produit par ton ami Cyril. Je ne dirais rien. T'aimes pas trop Delormeau? Oh. Tu vois qui c'est Mathieu Delormeau? Oui, oui, bien sûr. Oui, qu'est-ce que t'en penses? Je n'en pense rien. T'as pas un pot de dossier sur Delormeau? Non, franchement, ça aurait été avec plaisir, mais non, j'en ai pas. Je voudrais faire un petit portrait de toi dans 50 minutes inside et t'inviter pour être coach supplémentaire dans The Voice. Ça te dit au mois d'avril à peu près? Bah écoute, avec mon plaisir, moi je suis ouvert à toute proposition. Je voudrais que tu chantes un petit peu, là, tu pousses un peu la chansonnette, on m'a dit que t'avais du coffre. Bien sûr. Tu veux pas chanter un petit peu pour The Voice? Non, je ne peux pas chanter à The Voice. On m'a dit que t'avais du coffre, un répertoire incroyable. Absolument, j'ai du coffre et je connais tout Brassens par cœur, mais il n'est pas question pour moi de chanter, là je le dis tout net. Est-ce que juste tu pourrais nous pousser la chansonnette un petit peu, un petit refrain? Un truc genre, Wise Man. J'aimerais bien t'accueillir dans The Voice, faire un accueil tout de suite. Elisabeth Lévy! Non, non, mais moi je ne veux pas les. Non, mais Nico, c'est pas la peine d'insister, c'est très gentil, mais je n'irai pas dans The Voice. Mais tu peux continuer juste 3 secondes? Voice Man, c'est.
frère Jacques, frère Jacques. Mais Nico, je suis là. Dors. Je suis pas le con, je ne suis pas seul et je ne peux pas. Pardonne-moi, mais je ne reconnais pas du tout ta voix, en fait. C'est ça qui m'ennuie. C'est bizarre, monsieur. C'est un petit gag pour touche pas à mon poste. Ah, touche pas à mon poste. Ouais, c'est qui, c'est qui de TPMP? C'est TPMP, touche pas à mon postos. Ouais, mais bon, je m'en doutais, Ah ouais, c'est un défi. Merci à E4, en tout cas j'étais pas merci au courant. Eh bien j'étais pas au courant, mais bravo E4, c'était sympa. Ah, merci. Allez, merci mon chef.